mondiale, ONU-Femme diffuse un modèle combinant des éléments de leadership, d'autonomisation, d'accès et de protection, communément appelé LIP. Un programme conçu pour répondre aux besoins immédiats des femmes et des filles en zone de crise. Au Niger, une deuxième phase d'un an du projet est mise en œuvre avec l'aide financière du gouvernement japonais en mars 2019, destinée aux femmes et aux filles touchées par Boko Haram dans la région de Diffa, qui en 2018 représentait plus de la moitié des 118 781 réfugiés nigérians et des 104 288 personnes déplacées. Dans la commune de Diffa, ce sont des espaces de cohésion sociale qui sont créés pour les femmes. Donc, le projet Action humanitaire sensible au genre, l'aide aux femmes et aux filles touchées par le terrorisme de Boko Haram dans la région de Diffa, c'est un projet qui est financé par la coopération japonaise sous la supervision de ONU Femmes et mis en œuvre par l'ONG Karkara. Donc, c'est un projet qui intervient dans 4 communes, notamment la commune de Ngimi, Diffa, Meini et Chetimari. Donc, c'est un projet de création des espaces. Donc, ce sont des espaces où les femmes viennent discuter entre elles, échanger de leurs problèmes. Et ils sont appuyés par des activités génératrices de revenus, notamment l'autonomisation des femmes. Au niveau de ces espaces-là, donc, nous avons en amont choisi des relais et des animatrices sur un certain nombre de critères, notamment les critères de respect de l'autre, la confidentialité. Donc, ce sont des personnes qui sont choisies par leur père. Donc, au niveau de chaque espace, 3 relais et une animatrice. Tissage des draps, préparation de l'encens, transformation de l'arachide, suivi par leur animatrice, les femmes et jeunes filles de la commune sont outillées pour la production et la commercialisation de leurs produits. Des espaces pleinement appropriés par les bénéficiaires. Ici, dans le camp des réfugiés Sayam Fourage, des femmes touchées de plein fouet par la crise Boko Haram bénéficient, grâce à ONU Femmes, d'espaces dédiés à leur formation, échange et leur épanouissement. Abubanda ONU Femmes takao suna da dama ne bayan haka ONU Femmes takao kamar keken dinki
takawo da fuwartuwo takawo yin kitso takawo yin lalle kafinta duk wani fanta takawo ta horar da shi a cikin kan kuma takawo kayan aiki gashi nan yanzu ta nuna ici les bénéficiaires rêvent grand elles rêvent d'entreprendre an koya mun dinki yanzu ina so a ƙara koya mun zubi zubi na babban keke in an koya mun in na dinka kuma in yi zubi surfani in zuba in yi kwalliyar rigan ina so a ƙara koya mun aka kira sunayen mu gaba ɗaya muka amsa hai aka kawo keke guda shida a nan gurin muka hau muka yi aikin sati biyu alhamdulillah wanda bai iya ba ma ya koya mu daman da muka iya ka les responsables des camps saluent l'initiative la meilleure approche serait leur constitution en groupement d'intérêt économique c'est-à-dire leur permettre de faire des activités génératrices de revenus par exemple on peut penser au maraîchage on peut penser à l'élevage on peut penser à beaucoup d'autres activités telles que le petit commerce actuellement le camp est ravitaillé par ces femmes elle c'est un groupement de 60 femmes et qui produit elles produisent du savon et le gestionnaire de camp rachète ce savon-là pour redistribuer à la population. Au-delà des formations pour l'autonomisation des femmes du camp du Sayam, c'est un soutien sur le plan sanitaire qu'une femme leur apporte. Muna wayarwa da kai. Muna daukan mata masu juna muna kai su likita awo. Wanda ba hi da karne muna kai shi yana daukan karne. Mata masu ciki muna kai su likita suna aihuwa. Muna yin maganan auren dole. Yarinya bata isa aure ba muna bin yancinta aikin da wani fam ya samu kuma mace a cikin gidan miji akwai musgunawa akwai walakanci duk muna bi muna yin aikin wani fam na wayarwa kai kuma zaman zamantakewa na makwabci da makwabci kai ka zo wannan ya zo zaman tare to akan yara ma in ba a yi hakuri ba za a yi sabo sabayya to a shi haka muna wayarwa da kai da muka zo babu takalmi mun huto wani bai san ka ba kai ka san wani ma kam ya hada ku sai fada a gurin famfo fada yara sun fita gurin bol ma fada donc s'il y a une personne qui est en détresse respiratoire donc il faut attendre ou bien référer automatiquement mais là nous avons la possibilité avec cet appui de garder le patient et de le mettre sous oxygène. Avant, il n'y avait pas une lampe chauffante, lampe de réanimation pour les nouveau-nés. Mais maintenant, avec la nouvelle lampe qui est là, moderne, donc là, la prise en charge pour la réanimation des nouveau-nés, elle est vraiment assurée et on arrive à les faire dans de bonnes conditions. Grâce au projet LIP DIFA, ce sont plus de 50 000 femmes et filles qui arrivent à subvenir à leurs besoins et à entreprendre pour améliorer leurs conditions de vie. Matan da yanzu ɗan mata da muka kawo su doki akan wannan aiki. Kamar mun dauki ɗan mata kamar 10. An musu horo a sama wannan aiki. Saboda yanzu zaman da ake a yanzu duk ɗan mata kanana ne. Wanda suna ekol sun bar ekol kin su. Kuma basu da aiki yi. Mun kawo su jikin mu mun kwatanta musu. Duk abin da yake damun ku riƙa kwantar da hankalinku mu so muke mu kwantar musu da hankali su nutsu su samu hanya ma daidaiciya wanda za su bi saboda yaki da zaman banza da jahilci muna zaune ne a gidajen mu ba mu da aikin yi kuma muna zaune da yara marayu ne babu wanda za su taimaka mana dan mu zo mu koyi aiki ne na koyi aiki na ji dadi in mun yi sana'a za mu iya ciyar da kanmu za mu ba wa ƴaƴanmu kuɗin local kuɗin lacrosan in sun yi jinya za mu jinyartar su ba tare da mun tambayi wani ba da ina tayya ekol yanzu dai kuma da muka bar garin namu muka fita na bare ɗinki ne muke zuwa koyo kuma mun zo an koya mana ɗinkin slip kuma lasi bakin zani saboda ekol din namun mata bata bada ƙarfi a ekol din ba shi yasa ni kuma na huta na samu wayan kai tunda a gida babu aikin da mutun yake yana zaune kawai yanzu da aka kawo mu nan ga mun samu sana'an yi muna dinki
babu abin da aka koya mana dinkin ne kare kuma amma muna so mu koya wani abu kamar su turaren wuta su wani aiki wanda ya shafe hannu banda dinkin muna so mu koya suna ɗebe mini kewa da nazo cikin su ko daga cikin hushi ne na taho na in nazo suna ɗebe mini kewa ina iya manta wancan abin da aka mini wa aikin da nazo yi a espas yana yin amfani kuma yana mini amfani yana ma kuma iyayena amfani da yayi ina zuwa ina tattaunawa da jama'a akwai wani yanzu yana kamar an ci mishi zarahi kenan ina ganawa da su ina iya samu labari a ciki wai kai da muke kawo musu ce musu muke su yi hankali su kula da aikin da aka zo a koya musu amma su kiyaye kansu yanzu duniya ta sake yanzu yara nawa sai ka ga yarinya mai shekara 14 sai ka gani an bata ta da ka ganta da goyo ba ta sanya za ta yi da dan nan ba ga rashin aiki kuma ga goyo amma in ta zo nan muka kawo ta nan kin sai ta koyi aiki sai ta aje hankalinta muna mata galgadi ta bar darme kanta ta bar cikin mutane ta shiga cikin mutane ta bar hudda kanta gehe ta rika shiga inda kowa yake cikin mutane ita ma ta zauna kuma da kayan aiki zuwa su wani ko sabulu ne za a koya musu ko wani dara dinkin hannu haka ko wani tumakasa wani hula haka kenan duk matan da suke gehe suke nisa da su zamna a gida ba su da sana'a za su iya zuwa wannan gurin iya lokacin da za a yi a tashi kowa ya taya kama aikin shi en dehors de ça il y a une formation qui va venir après c'est celle du charbon amélioré charbon écologique et après ça il est prévu qu'on fasse la production de plants c'est-à-dire pépiniérisme, et une autre formation sur la culture maraîchère. Nous comptons former 10 autres à Boudry et 10 à Sayam par les meilleurs formés déjà à Chiam.